on, just taking it slow, babe. Somebody show me the ropes, babe. Salut, donc aujourd'hui, je vais faire un maquillage jaune. Avec un maquillage jaune, toute seule, sans iris. Coucou, donc je viens de reprendre la vidéo, mais vous aurez pas le début parce que la vidéo elle s'est coupée. Donc j'ai fait mes sourcils, j'ai unifié ma paupière avec du concealer, un concealer que j'utilise plus, et j'ai commencé à faire mon creux de paupière avec du marron en couleur de transition, marron clair. Après j'ai fait mon creux de paupière, après j'ai intensifié mon creux de paupière avec un marron un peu plus foncé, et voilà. Donc là je reviens. Et je vais mettre du gloss parce que, enfin, du bon. Je reprends, on va dire. Donc voilà, j'étais en train de faire mon creux de paupière. Je viens de finir en fait. J'ai fait mon creux de paupière. Et là, je vais commencer à faire mon creux de crise. Je vais pas fermer. Voilà, donc je prends un pinceau comme celui-ci, donc c'est un peu plat et en même temps il est arrondi, donc ça m'aide, on va dire. Donc je reprends le même concealer que j'ai utilisé pour faire mon crease. Si vous ratez votre cut crease, c'est pas grave, vous pourrez le rattraper après. Moi aussi, je suis pas une pro, je fais ce que je peux. Donc si vous ratez, vous pourrez le rattraper après. Essayez de lui donner une forme correcte. Ma ligne, elle est pas parfaite, loin de là. Voilà. Je trace doucement. Et j'en puis. Ouais. Voilà, c'est la fin que je voulais vous donner. Voilà, pour cet œil c'est bon. C'est pas parfait, mais pour cet œil c'est bon. Et on va essayer de donner la même forme pour l'autre œil. Voilà, donc j'ai nettoyé correctement avec le grand miroir de ma salle de bain et avec de l'eau micellaire. Donc là je vais encore poudrer ça avec le fard blanc de la palette. Ça va pas s'ouvrir. Le fard blanc de la palette avec un pinceau normal. Parce que sinon c'est fou. Je vais faire un minimum, bien sûr, pour faire mieux, parce que ça va me mettre blanc.
Voilà, pour moi c'est assez pâle, on va dire. Voilà. Donc, quand j'ai fini là, ça, je prends un pinceau plat, mais pas trop, un pinceau plat, pas trop, et je vais prendre le jaune là, et je vais mettre sur l'ensemble de mon coutil là. Voilà, c'est tout. Alors, des filtres. Je vais le prendre facilement, parce que je n'ai pas de comment s'appelle de fontaine de fond. Si vous mettez pas, et vous mettez le fond, je vais dire d'abord les yeux, et après, vous faites le temps pas. Mais ça me fait un truc comme moi, parce que je sais pas, mais après, enfin, vous comprenez. Et puis. Vous pouvez faire un morceau un peu plus précis, mais moi je vais faire avec ce morceau-là, je sais pas. Ça me dérange, peut-être que tu vas commencer à trouver ici. Voilà, il faut que je finisse. Bon, c'est pas parfait. Mais, le détail est là. Voilà. Attends, il bouge. C'est bon. Voilà, j'ai fini un œil. C'est pas parfait. Après, on va encore nettoyer ici avec de l'eau micellaire, mais c'est ce que je voulais. Ok, je suis contente. On passe à l'autre œil. Toujours avec le même pinceau, hein. J'aime bien plisser un peu. Si là il rentre dans les plis, il va falloir aussi. Ça va prendre une top très 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 bien. Et je sais même pas quoi faire tout ça en fait, c'est quoi faire. Alors je vais essayer de continuer, mais je pense pas parce que j'ai déjà essayé d'autres, ils ont de l'autre. C'est une petite. Ouais, je vais faire encore. Voilà. Donc je pense que j'ai fini. Je vais aller nettoyer avec du concealer et je reviens. J'ai enlevé les résidus qui est tombé avec de l'eau micellaire. J'ai nettoyé les extrémités là et c'est tout. Donc là en vrai je pourrais grave en vrai j'aurais pu grave sortir comme ça. Mais là je vais mettre parce que j'aime bien aussi comme ça. Je trouve que c'est joli. Mais je vais mettre du mascara et des faux cils. Mais mes faux cils, je crois que je vais pas les mettre devant vous parce que, comment dire ça, c'est compliqué. J'ai besoin du grand miroir de la salle de bain. Donc, à tout de suite. Donc, de retour, c'est bon, j'ai posé mes faux cils. J'aime bien, même si j'ai un peu galéré à les poser. Par contre, enfin, j'ai que de la colle noire. Ça veut dire que ça va se voir. Donc, pour remédier à ça, il faut faire un liner en fait. Un liner pas très grand, mais proche. De la ligne de vos fossiles. Voilà. Donc je vais faire ça. Et voilà. Sinon c'est pas très joli et c'est pas régulier. Donc j'ai utilisé un feutre, comment ça s'appelle? Un feutre en liner. Même si j'en ai pas besoin, c'est pas pour mes faux cils, c'est pour mélanger mes vrais cils avec les faux cils. En fait, ça fait bizarre de lever la tête avec des faux cils. Hein. Donc, sur un mascara que j'ai acheté chez NYX, si je me rappelle bien. Ça doucement parce que j'ai déjà enlevé plusieurs fois mes faux cils comme ça. Bon, si vous les enlevez comme ça, c'est que vous les avez pas bien collés. Voilà, c'est bon.
Je vais passer à l'highlighter, pardon. Mais c'est la seule chose que je mets pour le teint, donc ça va être rapide. Et des fois, je rajoute des bikes. Voilà, des fois, pour ce maquillage-là. Je rajoute du gloss. Je pense pas que ça vous m'aide. Voilà. Il est super cool, c'est ce spray. Ça aide à être très bien, tout ça sent bien, c'est cool. Après ça s'en sort. Voilà, il y a de coco dedans. Et c'est grotte, ça sent bon. Voilà. C'est fini. Je vais vous montrer le prochain. Salut, c'est la fin de la vidéo. Je suis désolée, j'ai tourné ça n'importe comment, mais je vais essayer de faire ça correctement. Bien sûr, c'est pas parfait. J'ai fait que comme je pouvais. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et que si vous reproduisez ce make-up, vous m'envoyez. Même si je crois que c'est un make-up simple que beaucoup de personnes ont déjà fait. Donc voilà, c'est pas parfait. J'ai fait comme je pouvais. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous avez aimé la vidéo. Et voilà, salut!